Et salut à tous, c'est Usu, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur un jeu que j'attendais pas depuis longtemps, mais sur ces derniers jours avant la sortie, il m'a fortement hypé. On se retrouve aujourd'hui sur Star Wars Jedi Fallen Order. Alors, on a le choix, j'ai testé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé le jour de la sortie, donc vendredi, si on est samedi, donc le vendredi, j'ai testé le début avec ça. Aujourd'hui, donc on est en fin de journée, aujourd'hui dans la journée je me suis dit, donc le samedi, je vais faire et je vais passer en mode chevalier Jedi, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Il n'y a qu'un problème, c'est que j'ai eu un souci avec les FPS. Là ça a l'air d'être réglé, donc j'ai en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit les FPS du jeu, j'ai diminué un peu la qualité, je ne vous aurai pas une qualité excellente. Je le referai moi de mon côté avec une qualité excellente, tant pis. Mais au moins vous aurez pas un truc qui était dégueulasse. En fait, les premiers épisodes et la moitié du deuxième épisode, ça allait. Troisième épisode, c'était une catastrophe, et donc j'ai fait, ok, on supprime tout, on recommencera quand j'aurai la motivation. Là, j'ai la motivation. Donc c'est parti. Écoute, je voudrais pas casser ton rythme, mais le patron te demande. C'est peut-être une bonne chose. Le voilà, chef. Une erreur a été détectée sur la ligne 10A. Les pins sont grippés. J'ai besoin de deux hommes pour grimper et fixer les câbles. C'est délicat comme intervention. La guilde doublera votre paye. Allez, Cal. Un peu de flouze, ça ferait pas de mal, hein? Ok. Super. On y va. Au travail. Je suis juste derrière toi. Ok. Et aujourd'hui, on se trouve donc sur la première mission qui est la mission tuto. Donc ça va. Ça va pas être le plus dur pour commencer. Bah si. Là-haut. Allez hop. Déjà, premier décor. Admire-moi ça. Un vaisseau séparatiste. J'ai pas vu de Lucerol que depuis un bail. Ouais. Clairement. Ces pièces vont nous rapporter un max. Allez viens, on y va. Allez. Danger! Danger! Quoi? Hé, hey, tout va bien? Ouais, ça va. Mais y'a plus d'échelle! Ouhou! On s'échauffe. Va falloir que tu passes par ailleurs. Pas de soucis, je me débrouille. On se retrouve là-bas. Et on surfe, voilà. Cette partie-là, c'est une partie trop cool que j'adore faire. Ouhou! Ah là là. Il est trop cool ce perso. Le jeu est trop bien. Et voilà, franchement. J'ai fait que le début, mais j'aime déjà ce jeu. Hey, doucement. Je vais faire passer.
Hop. Donc c'est vraiment le tuto pour apprendre, mais... Alors. Content de te voir. Moi aussi. Évite de mourir quand même. Ouais, je vais essayer. Donc là, en fait, on est dans une décharge. Et on doit... enfin, notre métier, c'est de démanteler des anciens vaisseaux. Donc on a vu des vaisseaux séparatistes, on a vu des vaisseaux de la République, qui sont probablement hors de fonction. Ou alors qui ont été remplacés, quoi, donc qui ne sont plus utilisables. Ça me paraît bizarre, à mon avis, c'est juste des... Pas la peine de sortir me saluer cette fois. C'est surtout des déchets de... des décombres de la guerre des clones. Hop. Yo. Je te retrouve aux pinces. Ça marche. Ok. Donc là on arrive déjà au bout de ce bout de mission, mais c'est loin d'être fini. Hop, on descend, on tourne, on descend. Hop. Non, il faut plus descendre. Ouais, je commence à connaître ce truc là par cœur, hein, c'est déjà la troisième fois que je le fais, donc... Youhou! Ouais. Juste, moi j'ai envie qu'il me laisse, qu'il me rende la vue. Voilà, juste pour vous montrer une canonnière. Et vraiment, c'est... Je comprends pas pourquoi ils se débarrassent de tout ça. Bon, les armures, d'accord, ils l'ont changé. Mais ça, ça reste de l'équipement qui pourrait être envoyé sur des planètes mineures. Ou alors des gouvernements, en cas de... Bref. C'est dommage de jeter tout ça. Parce que oui, hein, tout ça, c'est poubelle. Hein. Ouais. Hop. Donc ça c'est l'aile qui était là-bas derrière. Hop. On ouvre. Tout va bien. Ah. C'est bon. Oui. Bouge pas. On occupe. C'est bon. Viens me rejoindre. Allez, allez. Boum. Et voilà. Mission accomplie. C'est un chasseur Jedi. C'est le jackpot qu'on va toucher le pactole avec ça. Je veux dire, ce machin moisi là, depuis quoi, 4 ans? 5. Ah, celui qui pilotait ce truc est vraiment parti en beauté. C'est le Jedi. Une vraie tragédie. Comme tu le dis. Oh, moi j'ai toujours dit que c'était pas tous des traîtres. Oui, c'est possible. On dirait que c'est notre jour de chance. L'Empire va pouvoir récupérer du bon matos. Ouais. On récupère la ferraille de ces vaisseaux de guerre qui servira à en fabriquer de nouveaux. Sacré trafic. Quand je pense qu'on risque notre peau pour les patrons, et la paye était meilleure du temps de la République en plus. Fais un peu attention à ce que tu dis. Ah, écoute-moi. Avec une prime comme celle-là, tu pourrais enfin te tirer de ce caillou moisi. Qu'est-ce qui te dit que je veux m'en aller? Je t'en prie, Cal. T'es encore jeune. Tu veux pas finir comme moi. Arrive un jour, il faut partir pour vivre sa vie. Pour trouver sa destinée. Ah.
Ouais, si tu le dis. Allez, on devrait redescendre. Je crois que tu m'as pas écouté. Hop. Aïe. Grosse bébête, elle est pas contente, hein. Ce truc arrive à peine à voler. Tiens bon. Prof, ça va? Ouais. Ok, il faut qu'on... On doit bouger, ouais. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi tout ça? C'était toi? C'était la force, c'est ça? Oublie ce que t'as vu, ok? Allez, fais-moi confiance. J'ai entendu parler d'eux, je sais ce qu'ils font. Il y a des prix sur les gens comme toi, mon pote. Je suis au courant. Je suis au courant. Ouais, d'accord. On doit faire attention. Ouais. Mauvaise nouvelle. À mon avis, ça pue un peu, quoi. Ensemble. Et jusqu'à présent, je t'avais jamais vu faire ça. On en a pas mal bavé tous les deux. Enfin, c'est un sacré risque que t'as pris pour moi. Et je sais pas comment te remercier. Oublions tout ça. Je suis sérieux. Oh, tu sais, t'en fais pas pour moi. Mais par ici, t'es en danger. Peut-être que tu devrais disparaître. Je dois absolument repasser chez moi à prendre mon sac. Ta peur, ça a une dette envers moi. Je crois qu'il se trouve sur Nar Shaddaa. Ouais. On va plus se voir pendant un moment, prof. Ouais. Ok. Ok, Cal. Allez. Hop. Il est là. Vite, faut le rattraper, il a un souci. Attends. Où tu vas? Allez. Par contre, il fait tout noir dans les voitures de train là. Bah oui, bien sûr, la porte qui se ferme tourne la gueule, c'est fait exprès ça. Rien. Ouais. Hmm.
Qu'est-ce qui... Mon apprenti, écoute-moi sans faillir. Maître, n'accorde ta confiance qu'à la force. Le train n'avance plus. Ouais. Et c'est mauvais signe. Tout le monde debout. Contrôle d'identité. Bon, mettez-vous en ligne. Sûrement une de ces inspections de routine. Mouais. Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, deuxième sœur. Nous cherchons un dangereux fugitif. Ce n'est pas un simple anarchiste, mais un fanatique de cet infâme ordre Jedi. Tous ceux qui refuseront d'obtempérer se verront accusés de sédition. Qu'ils se livrent maintenant. Où tout le monde ici présent sera alors exécuté sur le champ. Je pense qu'il est temps que quelqu'un se lance. Ça fait un bout de temps que je travaille sur cette planète. Longtemps avant la guerre. On rénovait des vaisseaux à cette époque. On était les vrais Kador. Ensuite, l'Empire est arrivé. Alors les ingénieurs sont devenus des ferrailleurs. Les ouvriers sont devenus des exploités. Prof. On sait tout ce qui se passe. Sauf que... on a peur de le dire. Pour l'Empire, nous ne valons absolument rien. Oui, c'est vrai. Non ! Voyez-vous ça, un sabre laser. Je maîtrise le Jedi ! C'est quoi ? Contrôle de la perturbation. Aïe. Mal. Donc là, on avait deux sœurs qui sont des membres des Inquisiteurs. Les Inquisiteurs qui ont été introduits dans le dessin animé Rebels. Rebels. Hey, c'est pas la peine de le signaler. Silence. Ici, t'es Jedi. Hop, je t'ai dit, tu te tais. Voilà. Je t'en fatigue. Ok. T'approche pas de moi. Boum. Voilà. J'ai fermé la porte. Nettoyer. Oh
Ouvre-moi cette porte et voilà, on peut sortir. Pas le choix. Descendre. Mince, je me suis trompé de touche. Boum. Boum, des super combos. Paf. Allez, viens. Ouf. Ah oui, d'abord il faut commencer par maintenir comme ça. Tu sais te défendre. Boum. Celle-ci. Allez, viens. Et ta dame. Hey, là-bas, approchez doucement. Je te trouvais un truc. Viens. C'est beau. Ça va pas se le cacher, c'est putain de beau. Hop. Allez, on continue, on escalade. J'ai fait un trou dans le monsieur. Hop, voilà, on a bien avancé là. Arrête le train. Après, à qui il parlait en disant d'aller à l'avant ? Il faut un abri. Je dois foncer entre chaque rafale. Maintenant. Voilà, 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 on saute. Là, il devrait tirer dans les bagages, hein. Mais... Plus vite. Touché deux fois, c'est rien. Par contre, lui, il a mal pris, hein. Allez, 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 ici. Je
quelle chance quand même qu'il y ait des grilles tout le long. Merci. Très classe votre vaisseau. On vient t'aider. Qui êtes-vous? Fais-en. Continue, allez. On te récupère dès qu'on peut. Hop, hop, voilà. On va essayer de s'en sortir. D'accord. Ça, c'est parce que je le sais. Là. Hop, boum. Tu m'as touché. Voilà, c'est bien. Je pense qu'on peut avancer. Quoi encore? On s'est arrêté? Ouch. Pauvre droïde, il a rien demandé lui. Hein. Ouch. Tu vas quelque part. Je reconnais cette posture. Alors tu as été formé finalement. Il a un problème au bras. Qui était ton maître, Padawan? Une de mes victimes peut-être? Quel Jedi s'est sacrifié pour que toi tu puisses vivre? Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Merci du coup de main. Monte à bord. Ouais.
Ouh. Éteins-moi ce truc et assieds-toi. Merci pour le coup de main. Mais vous êtes qui exactement ? Mon nom est Serejunda. Et voici mon capitaine, Gris Dritus. Comment ça va ? Le Mantis, c'est mon vaisseau, mais je te conseille de bien écouter la dame. Alors, qui es-tu ? Cal, Kestis. Et cette femme, c'était qui ? Une inquisitrice impériale. Une adepte de la force qui traque les Jedi sans relâche. Et maintenant qu'elle sait qui tu es, elle ne s'arrêtera pas tant que tu seras en vie. Comment vous savez ça? Et pourquoi vous m'aidez? Nous épions toutes leurs communications. On connaissait l'itinéraire des inquisiteurs. Alors nous sommes venus. Ah oui? À combien s'élève la prime pour un Jedi en ce moment? Non, mais t'as entendu ça? Je comprends. Tu as survécu seul pendant si longtemps que tu ne peux plus faire confiance à personne. C'est pour ça que tu es encore en vie. Mais il y a beaucoup plus en jeu que de survivre. Comme quoi ? Faire renaître l'ordre Jedi de ses cendres. Vous deux ? Et personne d'autre ? Oh, on n'est pas assez bien pour toi ? Et le Conseil Jedi ? Disparu. Ah. Donc vous n'avez que moi. Capitaine, nous allons sur Bogano. D'accord. Et pendant ce temps-là, tâche de te reposer. Tu ne crains rien. Pour l'instant. Tu dois partir pour vivre ta vie. Pour trouver ta destinée. Quelle attention ! T'es au courant que tu causes en dormant ? Cinglé. Ben, moi je dis que c'est parfait ça. Nous on va se laisser ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, sinon laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.